La surpopulation, le manque de moyens, la sécurité et les problèmes d'hygiène dans les prisons ivoiriennes, autant de difficultés auxquelles doivent faire face les régisseurs des établissements pénitentiaires, dont un atelier pour examiner les moyens d'en améliorer la gestion. La gestion des prisons, ce n'est pas tout à fait facile. Le budget que les gens nous donnent pour l'hygiène dans les prisons, qui est vraiment nécessaire, ne suffit pas. Le comité international de la Croix-Rouge et les responsables de la gestion pénitentiaire conjuguent leurs forces pour une meilleure prise en charge des détenus. Je permets aussi de saluer aussi le fait que le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques se joint au CICR dans le cadre de l'organisation de cet atelier qui vise à trouver des solutions concrètes, pratiques, qui pourraient être mises en œuvre immédiatement pour justement contribuer à améliorer les conditions de détention et le traitement des personnes privées de liberté. Une augmentation du budget de fonctionnement des établissements pénitentiaires est prévue en 2014, une mesure du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques.